Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va être donc sur la pile à lire pour le mois de novembre. Juste à savoir que forcément le mois de novembre il y a leur coupe du monde du foot, donc je vais être principalement sur du thème de foot au niveau de mes lectures. Mais à savoir aussi que j'ai pas mal d'avance, quelques vidéos d'avance au niveau de mes lectures que j'ai fait en septembre ou en octobre. Donc tu n'auras pas que des vidéos de foot, et puis de toute façon je n'ai pas non plus beaucoup de mangas de foot à lire ou à te présenter. Donc ne t'inquiète pas, il y aura 2 ou 3 vidéos grand max sur le foot pendant la période de la Coupe du Monde, mais tu n'auras pas que ça en contenu. Pour ce qui est de ma pile à lire, je vais bien entendu lire d'abord le manga Blue Lock, qui est un manga où je crois qu'on aura eu le tome 11 du coup, parce que moi je filme la vidéo, on est le 15 septembre si jamais. Donc les premiers volumes de Blue Lock qui seront disponibles en France, que je lirai. Oui, il y a l'anime, mais moi quand j'ai commencé le manga, je ne m'intéresserai pas à l'anime tout de suite. Ensuite, il y aura en manga de foot, le manga Aowashi. Donc lui aussi, si l'un est au tome 10, l'autre sera au tome 11. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez équilibré, et je ferai aussi une lecture. Donc juste pour Blue Lock, actuellement j'ai les 6 premiers tomes. Donc sur tout ce qui est sorti, j'ai les 6 premiers tomes plus le tome 8, vu que je l'avais acheté en collector. Donc il manque le tome 7 à acheter. Et donc aussi, je ne vais pas avoir beaucoup d'achats à faire au mois de novembre. Et ça, je suis très 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 content là-dessus. Pour Aowashi, j'ai les tomes, que je te dise pas de bêtises, 1 à 6 et le tome 8 aussi. Sachant que ceux-là, par contre, ils sont disponibles à la bibliothèque de Bordeaux. Et donc je n'envisage plus trop d'acheter pour l'instant la série, en tout cas je vais essayer de les avoir via la bibliothèque pour ne pas avoir acheté les volumes qui me manquent pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne le foot, mais il n'y a pas que donc des mangas de foot que je vais lire, parce que ça ferait à peu près 20 mangas et j'en lis à peu près un par jour. Et je vais essayer aussi les mangas de foot de les enchaîner avec un ou deux par jour, tu vois, si je peux. Donc je vais te montrer les autres mangas qui ne sont pas de foot que je vais présenter. Donc déjà il y a le recueil d'histoires courtes qui est par les auteurs de The Promised Neverland. Tout simplement parce que j'ai aussi l'extrait de disponible en format papier que je vais lire du coup soit le 20 soit le 25 octobre, parce que j'ai 2 journées avec des rendez-vous médicaux. Et donc je vais emmener l'extrait avec moi, comme ça après je pourrai, je pense, le passer en octobre ou quoi, mais le prolonger avec le one shot. On continue donc avec les yaoi de Anna. Comme tu le sais, Anna m'a offert 13 yaoi lors de la Japan Expo. Je n'ai pas encore tout lu et tout présenté, je m'en excuse. Franchement, on m'avait dit que j'avais le temps que je voulais, mais c'est vrai que j'aime pas trop que ça soit aussi long. Donc on aura le tome 1, enfin le one shot Faker. Voilà. J'ai aussi donc le manga Heartbroken Junkie à te présenter, et on aura aussi le one shot Fall in Love with My New Boss. Et je vais faire un peu les choses à l'envers, parce que je vais te présenter que maintenant mon manga, enfin 2 mangas qui sont en absolu. Donc je rappelle, les mangas qui sont en absolu, ce sont les mangas que je dois absolument lire pendant le mois de novembre. Donc ça, je vais les mettre très 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 rapidement, je pense en tout début de mois, histoire de me dire, je les ai faits, c'est bon. Tiens, la goutte de sueur là que tu enlèves et que je l'ai fait, ça y est. Parce que j'ai quand même les 2 tomes depuis juillet, tout va bien. On va avoir Blossom de DS par les éditions Nazeka. J'ai oublié comment on m'a dit de prononcer. J'ai pas regardé. Bref, donc du coup, le manga Blossom, qui est un one shot. Donc ensuite, j'ai aussi en absolu le manga Ichigo Story, qui est un manga français. Je verrai donc avec la maison d'édition ce qu'ils préfèrent, s'ils préfèrent que je fasse une vidéo sur chaque volume, sur chaque série, ou si je fais une seule vidéo critique one shot spéciale avec le nom de la maison d'édition. Donc voilà, en ce qui concerne ça, et ce sont donc les 2 absolus pour ce mois de novembre, même si très clairement les mangas de foot, forcément, ils se sont aussi des absolus, et que finalement aussi mes yaoi sont des absolus. Et que le hentai aussi est un absolu, vu qu'il faut au moins que je présente minimum un hentai dans le mois.
Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment les absolus que je peux sortir de ma pile à lire. Et ça, il n'y aura pas à chier. En gros, ils doivent sortir de ma pile à lire. Parce que en octobre, pour la convention Animasia, j'ai rencontré et plus discuté plus sérieusement et tout ça avec l'équipe de la maison d'édition. Et j'ai vu aussi les deux auteurs de Ghost Story. Ichigo Story. Donc, du coup, je veux absolument lire et présenter ces titres par respect et tout ça, par politesse aussi, et remerciement parce que l'équipe, j'ai passé la journée, enfin, j'ai vu 10 personnes et ils étaient juste exceptionnels. Donc, c'est ma façon aussi de les remercier, donc en présentant d'abord leurs titres. Voilà. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas surtout de liker, commenter ou partager la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici, je te mets une vidéo en recommandation, une note par ici, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu as plus d'informations. Tu auras donc aussi le crash test en ce qui concerne le manga Blue Lock et les codes promo pour pas mal de sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes parce que j'ai toujours 2 ou 3 comptes par plateforme. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et à bientôt!